Salut tout le monde, c'est Jérôme FPS. Donc là, on est sur la démo de Cooking Simulator 2. Et donc, on va créer des plats pour un restaurant. Donc ici, on a une porte. Derrière, il y a des personnes qui vont commander les plats. Et on va devoir les servir. Donc, on a la salle de préparation, donc la cuisine. Avec ici, directement, les graisses à frites. Donc, on peut les remplir. Alors, quand vous commencez, vous avez des petits post-it tout partout qui vous expliquent comment ça marche. Bon, moi, je connais, j'ai déjà fait un test. Ici, on a pour les grillades, on a le four, on a frigo, lavabo, mixeur. Après, on a tous les plats pour ranger, les casseroles, les planches à découper. Et quand on va aller ici, on a tous les ingrédients. Donc, vous avez la mayonnaise, le ketchup, barbecue, alors du sriracha. La moutarde, après si on a des cornichons, olives, de la tomate, donc c'est entre comme une concentrée on va dire, de l'ananas, et après pareil on a tout, les poivrons, la salade, les pommes de terre, les oignons, et ainsi de suite, et ici pareil on a des piments et des tomates chéries. Ici on a quelques couteaux et tout, alors ici c'est pas pour la démo, mais tout ce qui est devant on peut l'utiliser. Donc là le but c'est de créer des repas, donc on va aller ici. Alors, on va prendre un exemple. Quand je vais cliquer ici, on va me demander de faire un plat. Donc, le plat ici, par exemple, c'est un Burger News. Donc, ça, c'est le plat que je vais devoir préparer. Le problème, c'est que si je clique dessus, le temps que je le prépare, ça va être un peu compliqué. Donc, je ne vais pas cliquer dessus, mais on doit préparer un Burger News. On va cliquer ici. On va chercher le Burger News. Donc, il est ici. On va cliquer. Voilà. Et donc là, on a tout le système de préparation qui nous explique toute la préparation. Donc, vous pouvez changer le nom, si vous voulez. Vous mettez un nouveau nom. Et ici, pareil, ça vous explique comment faire au niveau des ingrédients. Alors, moi, je vais vous expliquer. Là, par exemple, la phase 1, vous allez devoir préparer le pain. Donc, il va falloir prendre le pain. Il va falloir le couper. Donc, on met pas de sel, par contre. Ouais. On va devoir le couper en deux. Puis après, le mettre dans le four 45 secondes à 200 degrés. Et on met le pain directement sur la table de préparation. Après, on va devoir prendre un steak haché. Donc, en fonction de ce que vous allez avoir besoin, on va falloir prendre un steak haché. Donc, on prend un steak haché, on va lui mettre 20 g de sel et 10 g de poivre. Puis après, on va le griller 45 secondes d'une face. Puis après, ici, on remet pas de sel, mais par contre, on va le retourner. Et on va refaire 45 secondes sur la deuxième face. Et on va le mettre sur la table de préparation. Et on va devoir préparer des cornichons, tomates, la laitue et du ketchup pour la table de préparation. Une fois tous les ingrédients sur la table de préparation, donc on aura les deux pains, le steak, le cornichon, la tomate, le ketchup, on va pouvoir dresser l'assiette. Donc, pour commencer, on va aller voir pour le pain. On va cliquer ici, on va prendre le pain. Alors, normalement, c'est celui-ci. Voilà, on va prendre le pain et on va commencer à le mettre à la préparation. On peut le mettre ici, on peut le mettre là, comme on fait. On va le prendre comme ça, voilà, pardon. On va prendre un couteau et on va le couper. Donc, à chaque fois aussi, ça vous explique comment. Dans le cas, il faut juste le couper en deux. Donc, hop, on appuie une fois et on le coupe en deux. Donc, on va bien vérifier quand même que c'est ce pain-là. Moi, c'est du pain, c'est celui-ci. Normalement, je vais bien vérifier, on va être sûr certain. Brioche bien, ouais c'est ça. Donc c'est la brioche, donc c'est même pas celui-là, voilà. On a brioche burn ou, voilà. Bon alors je me suis trompé, c'est rien, le pain on mettra sur le côté, c'était bien celui-ci. Donc ce pain-là, je vais le mettre sur le côté en attendant. C'est vraiment ce pain-là que je vais devoir faire. Donc on prend, on va couper, donc en deux. Hop, donc on va bien mettre notre couteau bien correctement, on coupe. Voilà. Donc maintenant il va falloir, comme on a dit, le cuire. Donc on va aller chercher une petite plaque ici. Hop, voilà, et on va les mettre dans le four. Donc on prend le pain, on va cliquer une fois dessus et une fois dessus. Voilà, ça nous met les deux pains. On va le mettre ici et on va le mettre dessus. Voilà, si vous avez un doute, hop, vous retournez sur la recette et vous regardez. Bon là on a dit 200 à 45, donc c'est bon.
245, on est bon. Donc là, on va garder 45 secondes. Voilà. Par contre, si ça clignote, c'est que c'est bon. On va mettre à 180 pas de, parce qu'on n'a pas 200. Et on va allumer le four. Voilà. Ok. Ah ouais, j'ai laissé la porte ouverte, c'est normal. Voilà. On va attendre. Donc il faut à peu près qu'on soit à 200 degrés. On va monter un petit peu plus. On sera à 220, 220, je vais peut-être mettre un petit peu moins, voilà. Donc là, il reste, on va attendre 20 secondes, 29 secondes, mais il faut vraiment que je sois dans les 200 degrés, sinon vous allez voir, le pain ne sera pas bon. Si j'ouvre la porte, ça va bloquer, vous voyez. Il faut vraiment que la porte elle soit fermée pour pouvoir. Donc là, on va monter dans les 200. Voilà. On va mettre à peu près comme ça. On a 185. On va sûrement être dans les 200. Oh, pardon, je vais cliquer sur mon truc. Voilà. Donc là, on va attendre les 40 secondes. Et on va le sortir, le pain, et le préparer sur la table ici. Après, on va faire le steak. Et après, on va faire les accompagnements. Donc là, après par la suite on fera plusieurs trucs en même temps, hein. C'est juste que là, c'est juste pour vous montrer. Donc là il reste 12 secondes, dans 12 secondes on l'éteint directement. Voilà, donc là on l'a éteint. Voilà, on récupère, vous voyez qu'il est légèrement cuit. Et on va le poser. Donc je vais peut-être poser la plaque là ici. On va prendre un pain, on va le poser là. Voilà, on va prendre un pain, on va le poser ici. Voilà, donc là c'est bon. Le steak on fera à la fin. On va faire les accompagnements. Donc là vous voyez que ça descend. Si je le ferme, ça va descendre mais un peu plus lentement. Si je laisse ouvert, ça va descendre plus rapidement. Alors maintenant on va aller chercher les accompagnements. Donc on avait dit qu'on avait besoin de cornichons. On va prendre quelques cornichons, même s'il faut, on les mettra en stockage, c'est pas grave, voilà. On devait prendre tomates, ça. J'ai plus de place, ok, c'est pas grave. On va aller là, voilà. Je vais mettre ici. Alors, on va poser déjà les cornichons. Voilà, on va le poser ici. On va prendre une boîte. On va le mettre ici. Voilà. Et donc, normalement, vous avez une coupe spéciale pour chaque ingrédient. Donc là, vous allez cliquer sur le livre, vous allez directement ici. Quand vous allez sur la coupe, normalement, ça vous indique voilà, comment est la coupe. Donc ici, vous allez faire les coupes. Ici, les cornichons, ça vous le dit pas, mais moi ici, on me dit pas aussi. Par contre, ici, on me dit que c'est là, il faut les faire en lamelles. Ça, il faut les faire en petits carrés. Et le ketchup, bon, bah, on ne va pas devoir le faire. Donc, les cornichons, normalement, on est censé les couper. On a plusieurs manières différentes, donc on va cliquer dessus. Voilà, on va les faire quand même en lamelles. Voilà, pour être sûr et certain. Voilà. Alors, je devais vous présenter la vidéo un jour avant, mais il y avait un bug sur les cornichons. On pouvait pas les mettre en lamelles. Donc, c'était un peu gênant. Donc, j'ai pas... Voilà. Donc là, les cornichons, c'est bon. Vous voyez, il est bien noté. Donc, on va pouvoir aller sur la table. Quand on va cliquer, ça va le mettre directement ici. Donc, on va faire pareil avec la tomate. Donc, je reprends ça. Alors, on va peut-être faire quelques préparations pour même avant. Je sais pas combien de tomates je peux prendre. Allez, on va prendre ça, voilà. On va faire toutes les tomates. Ok, hop, hop. Donc là, pareil. Et là, on va les faire en rond. Donc, soit on peut les faire en quartier, mais on va les faire en rond. Ça nous permet de pouvoir les mettre dans les hamburgers. Voilà. Là, on va poser le verre. Hop, on va faire. Hop, hop. Après, vous allez pouvoir faire des coupes différentes. Alors peut-être avoir des tomates avec des coupes différentes. Moi là je vais le faire que pour l'hamburger en attendant. Donc je vais mettre les mêmes coupes. Voilà. On va prendre la dernière.
On va faire la dernière coupe. Voilà, on pose. Hop, hop, voilà. Donc là, c'est bon. Ah, il y est plein. On va laisser ici en attendant. On récupérera un après. Donc là, c'est bon. Hop, on va poser les tomates. Donc, on va aller chercher la laitue. Donc, la laitue, c'est celle-ci. On va prendre deux, allez. Deux laitues. On va faire comme ça. Hop. On peut en faire qu'une à la fois. On va reprendre ici. Hop, on va couper. Pareil, moi, je la veux en coupe. Alors, je sais pas si c'est par rapport au ciseau ou quoi que ce soit, au couteau. Non, je peux pas la couper comme ça. Je vais essayer de regarder si je peux le faire ici. Comme la planche, elle est un peu plus grande. Est-ce qu'on a des coupes différentes? Ouais, vous voyez là, on a des coupes différentes sur celle-là. Voilà. Ah là, je découpe en deux. Donc, c'était pas celle-là. Ça, c'est vraiment pas la coupe que je devais faire. Bon, c'est pas grave. Désolé, non, je ne mettrai pas la poubelle, mais... Je me suis trompé sur le mode de coupe. Alors, normalement, hop, on prend ça. C'est celui-ci. Non, c'est trop large. Alors, je vais regarder vite fait. Est-ce qu'il me donne une coupe? Ah, c'est en petit carré. Ok, d'accord. Je m'attendais pas à ce que ce soit un petit carré. C'est rien. Ça, on va pouvoir le prendre et le mettre sur le côté. Si on en a besoin pour une recette après. On va rechercher un. On va poser ça là. Au pire, on mettra dans le frigo après. Voilà. On va faire un petit carré alors. Au moins, vous avez toutes les différentes coupes aussi. Voilà. Donc là, c'est bon. On récupère ça. Hop. On le ramène. Et on peut mettre un terre. Hop. 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 Voilà. Donc là, on a préparé à peu près tous les ingrédients. On va regarder au niveau du ketchup. Parce que nous demanderons du ketchup. Hop. Je vais prendre le ketchup. Voilà. Je voulais faire un test, un truc avant. C'est prendre le pain là. Et voir si je pouvais mettre le ketchup avant. Non, on peut pas mettre le ketchup. Okay. Donc toi, tu vas là, et toi, tu vas là. Ok. Donc, on va aller chercher la viande. On va commencer à faire la viande. Donc, pour la viande, on ouvre le frigo ici. Et on a besoin du steak haché. Je crois que le steak haché, il est là. Voilà. On prend un steak haché. On va le poser ici. On va prendre le sel. On va le poser directement. Et donc, vous voyez, on a 1 gramme, 5 grammes, 10 grammes. Donc, c'était 20 grammes de sel et 10 grammes de poivre. Donc là, on va pouvoir bouger, hop, et faire une fois 10 grammes. Voilà. Et on va reprendre le sel, hop. Et on va refaire encore une fois 10 grammes. Voilà. Donc là, on a 20 grammes. Et lui, on clique dessus. Pareil, là, on va mettre 10 grammes. Ça. Voilà. Donc là, c'est prêt. On va le mettre ici directement. On va mettre 45 secondes. Et on met en route. On y va. Donc il faut vraiment qu'il clignote pas. Si ça clignote, c'est que le temps ne va pas passer. Si vous dépassez les temps, vous allez pas savoir... Enfin, vous allez rater votre cuisson. Alors, au bout de 45, je le prends avec la spatule, je le retourne et je remets 45. Donc là, on a à peu près 27 secondes. Donc là, on a tout ce qu'il faut. Ouais, on n'a pas besoin de le couper. Et après, je vais vous expliquer comment on dresse une assiette. Après, on fera des frites, des trucs dans ce style-là. On fera des tests d'autres recettes. Donc là, vous voyez, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc là, on prend, on va cliquer, on va le retourner, voilà. Et on va remettre 45 secondes. Voilà. Donc là, ça sera bon. Et après, il faudra qu'on prenne le steak haché et qu'on le mette ici. Donc normalement, si je me trompe pas, on doit être... on est en médium. Donc là, on sera pas en trop cuit. On est en médium. Faut vraiment regarder. Vous voyez, marqué médium rare. Si maintenant, vous arrivez et que vous le cramez, ben, c'est un peu compliqué. Hein. Donc là, on n'est pas encore cramé. On est cuit, mais on n'est pas cramé. Donc là, il reste 18 secondes. 17. Steak haché de 120 grammes. Et après, on va devoir accepter le plat pour pouvoir le servir. 4, 3. Ok, donc là, on coupe. Voilà. On va le prendre et on va le mettre directement sur la table. Ici, non. On peut le mettre ici, non. On va le mettre ici. On va le laisser ici, là. Voilà. Je vais laisser là en attendant et je le prendrai après.
Donc, on y va. On va accepter ici le burger. Donc là, on a le burger sur le côté. Quand on va aller sur la table, on va pouvoir cliquer sur eux. Voilà. Et là, on nous demande de préparer le burger. Donc, on va pouvoir choisir l'assiette. On va dire, par exemple, je prends celle-ci. Donc, on aura la forme de l'assiette. Et donc là, on aura les ingrédients à peu près comment il faut les mettre. Donc, vous n'avez pas de sens. Après, c'est à vous à le faire. Mais c'est un peu dommage qu'il n'y a pas le sens. Hein. Alors, on va prendre, par exemple, le pain. On va le poser. Donc là, on a déjà posé le pain. Après, on va prendre la sauce. Alors, j'essaie de poser quelques points là. Est-ce qu'ils vont me dire que c'est bon ou pas? Non, pour moi, ça devrait être bon. Après, on va prendre, bah, par exemple, le steak haché. Alors, le steak haché, il est derrière. Donc là, on n'est pas sur la phase de décoration. On est sur la phase de... non, hop. Comment on revient en arrière? Parce que je voudrais prendre mon steak haché. Non, pas finish. Reviens en arrière. Voilà. Ah, voilà. Stop, l'analyse était marquée. Donc là, on prend le steak haché. On va faire peu. Alors, on peut le poser là. Voilà. Hop. Donc, on va prendre. On va le mettre dessus. Voilà. Donc là, on est bon à peu près. On remettra un petit peu de sauce. Donc là, on va regarder au niveau de la tomate. Donc pareil, on pose une tomate. On va poser ici la laitue. Et on va poser les cornichons. Voilà. Et après, on va remettre un peu de sauce. On a peut-être beaucoup de sauce, mais bon. Voilà. Et on pose le pain au-dessus. Voilà. Donc là, il est terminé. Quand vous allez dessus, vous voyez qu'on a tous les ingrédients. On a 40 grammes de tomates. Donc, ça devrait être bon. On devrait être bon. Donc là, on va faire décoration. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre des décorations. Genre, je peux mettre une pique dessus. Je peux mettre du romarin, je peux mettre des trucs. Bon, là, on va laisser comme ça. Donc, voilà. Donc là, on a l'assiette. On la prend. Donc là, on a le burger. Bon, il y a quand même un petit problème, mais bon. Voilà. Et donc là, on va nous dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Donc là, déjà, pareil, le problème, c'est que le pain, là, médium. Donc, normalement, je ne l'ai pas assez cuit. Il n'est pas cuit assez fort. Ok. Après, lui, il est bon. Lui, c'est bon. Lui, c'est bon. La viande, elle est bien. Le ketchup, tout est go. Donc, tout est bon. Sauf, voilà, j'ai juste raté deux trucs. Ouais, c'est ça. J'en ai raté deux. Bon. On va essayer de regarder le prochain. Donc, on va cliquer dessus. Hop. Ici, c'est quoi le prochain? Hamburger aux oignons. J'aurais bien voulu faire un autre truc. Donc, quand c'est comme ça, vous faites ça, hop. Normalement, si vous cliquez, voilà. Là, on a un filet mignon steak. Donc, filet mignon steak, on pourrait le faire. Donc, on cherche la recette. Donc là, on cherche filet mignon steak. Donc, on va cliquer, on va faire lire la, voilà, la phase. Et donc là, pareil, on va prendre le filet mignon. On va mettre 20 grammes de sel, 10 grammes, et on va faire 45 secondes de chaque côté. Et on va le poser comme ça sur l'assiette. Donc il n'y a pas trop de préparation à faire. Alors, on va le chercher. Donc le filet mignon, il est ici. Voilà, on va le fermer. On va retourner ici. Donc, on prépare avant, on va saler, poivrer. Donc combien? Je mets dessus. Je vais faire, hop, 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 10 grammes, 20 grammes de sel. Hop, on va prendre ici. Hop, 10 grammes. Donc là, il est salé, on est bon. On va le poser sur la grille. On va mettre 45 secondes et on va démarrer. Voilà. C'est parti, ça commence à chauffer. Donc là, vous voyez que au niveau de la chaleur, on est sur non. Donc il n'y a rien, il n'y a pas de cuisson pour le moment. Il faut vraiment que j'ai les 45 secondes de chaque côté pour avoir la bonne cuisson. On va laisser. Donc là, on a notre petite spatule. Ça, on aura besoin après. Au niveau des ingrédients, bon, on n'aura pas besoin de grand chose. Si maintenant que j'accepte, alors je peux le faire devant vous, si j'accepte, normalement j'ai un temps au niveau de l'ordre, vous voyez. Il y a une petite barre qui commence à avancer. Ah, ça c'est le temps que je dois faire le plat. Et je trouve que sur la test, enfin, la vidéo test que j'ai fait hier, c'était très très court, il y a une mise à jour apparemment. C'était extra court, j'avais même pas le temps de cuire le steak. Que je devais soi-disant déjà rendre l'assiette. C'était pas trop normal en vrai. Alors là on est reparti. On va faire une cuisson. Alors de temps en temps aussi il y a certains endroits où on va vous demander de faire des cuissons directement, par exemple au four.
Donc ça dépend après, ça dépend ce qu'on... Là, on me demande de le faire là-dessus, donc je fais là-dessus. Mais après, on peut me demander de le faire au four. Pardon. Donc là, si on veut, on peut déjà préparer l'assiette. On va cliquer, on va faire OK. Je veux voir un visuel, on va prendre cette assiette-là. Voilà, donc là, l'assiette, elle est déjà prête. On a juste à voir si il sera cuit ou pas. Donc c'était 45 secondes de chaque côté. Hein. Je vais vérifier vite fait. Je vais attendre avant qu'il crame. Ok, donc là, on va le prendre, on va le poser sur le côté, on va regarder. Donc là, on était bien là, et on avait bien 45 secondes d'un côté, 45 secondes de l'autre. Donc on était... Alors, on va dresser l'assiette. Alors, il n'y aura pas grand-chose à dresser. Hein. On prend le morceau de viande, on le met dessus. Hop, voilà. Après, on va passer sur la décoration. Donc on va prendre pendant un peu de ça. Hop, on va prendre ça. Il le met ou pas? Non. Ah non, c'est ici. Ouais, je peux prendre un petit peu... Non, voilà, on peut mettre directement un peu de truc. On pourrait mettre même du ketchup, mais bon. On prend quelques, voilà, quelques herbes. Et on va faire finish. Donc là, l'assiette est terminée. Et on va voir si vraiment c'est bon ou si c'est cru. Quand on clique dessus, voilà, médium rare. Donc il y a un problème de cuisson. Alors ça, j'ai pas trop compris. Parce que ça soit sur ma partie normale ou ma partie test, on me dit de le cuire 45 secondes de chaque côté. Moi, je le fais, et pourtant, il met une erreur de cuisson. Donc là, le filet mignon, on a de 300 grammes, donc on met le sel. Après, on met sur le grill, power 1, donc à power 1, 45 secondes. Voilà, et après, il faut le mettre une deuxième fois, de l'autre côté, 45 secondes. Donc, je vais quand même bien le traduire pour être sûr et certain que... Pardon, j'ai débranché mon téléphone. S'il n'y a pas d'erreur, je vous dis pas de bêtises quand même. Et normalement, pour moi, non. Donc là, il y a marqué, ouais, ingrédients. Alors, filet mignon aux épices, 300 grammes de poivre noir et de sel. Alors, grillé en puissance 1, temps 45, filet mignon, 300 grammes. Après, puissance 1, deuxième temps, 45. Utilisez les ingrédients préparés pour composer le plat de votre choix et au poste de rassemblement. Donc ouais, j'ai pas trop compris pourquoi j'ai raté ma cuisson. Enfin, après, on verra bien sur les autres. Alors, on va regarder si on a une autre commande. Donc là, le steak, on l'a déjà fait. Donc, on va prendre une autre. Le burger à l'oignon, on va changer. J'aimerais bien essayer, par exemple, de faire des frites. Un peu dans ce style-là. Alors, vous pouvez accepter, refuser. C'est pas très, très grave. Ou on peut faire le poisson. Allez, on part sur le poisson. Alors, on peut accepter et refuser. C'est une démo, donc on peut essayer. Alors, ici, c'est pareil. On va prendre un poisson. On va mettre du sel, du poivre. Mais là, on va le mettre dans le four. 160 grammes. 160 puissance 60 secondes. Donc une minute. Et pareil, et après il faut le mettre à 180 et là il faut mettre 45 minutes. Donc il faut bien retenir sur le papier, c'est bien 160 à 60 et après c'est 180 à 45. Donc il faudra pas oublier d'augmenter la puissance et tout. Et il faut aussi bien couper un citron en quart pour pouvoir le mettre dans l'assiette. Donc à chaque fois je fais échappe, je sais pas pourquoi. On va chercher directement le poisson. Alors j'avais une plaque normalement, j'avais utilisé tout à l'heure pour les pains. Je l'ai mise où? Bon, je peux reprendre une, hein, mais c'est juste que je voudrais pas. Bon, là, je vais reprendre une. Allez hop, on va reprendre une plaque, celle-ci. Alors le poisson, il est où? Là, voilà. Donc on prend le poisson, on va le poser ici. Hop. Donc, que je peux poser la plaque là. Voilà. Alors, on va le prendre. Pareil, on va mettre du poivre et du sel. Donc, on regarde. On va mettre 20 grammes. 10 grammes. Voilà. Donc là, on va le remettre sur la plaque. On va le mettre au niveau du four. Ouais. On va le mettre dans le four, mais je crois que je vais le préchauffer avant. On ferme. On démarre. Donc, on avait dit 160. Donc là, 160, et on va mettre le temps, c'était une minute. Voilà. Normalement, c'est tous les 15 secondes, donc je vais à 45, je vais remettre, ça fera une minute. Voilà.
Donc là, il faut attendre qu'on ait à 160 et on pourra le mettre à l'intérieur. Puis après, on va le retourner et on le fera. Donc là, 140. À 160, ça va bloquer. On met dedans, on ferme et on met en route. C'est parti. Une minute. Alors, on va prendre notre petite spatule parce qu'il va falloir qu'on le retourne. Donc, je vais le poser ici en attendant. Donc là, après, on va le retourner. On va monter à 180 et on va le mettre 45 secondes. Donc, il ne faudra pas oublier de bien mettre sur pause et d'ouvrir la porte. Donc là, on en a pour une quarantaine de secondes. On a temps d'aller chercher vite fait un citron. On va couper en quart ici, vite fait, hop, en quart, comme ça. Donc on va tourner, hop, vite, vite, vite. Voilà. Ok, attends, je vais aller voir ma cuisson parce que il reste 16 secondes. Pas faire de conneries, parce que sinon je vais rater ma cuisson. Alors, est-ce que si je fais ça, je peux ouvrir la porte? Ouais, je peux ouvrir la porte. Donc, on va surtout pas l'éteindre. On va ouvrir la porte et on va le mettre à 180. Donc là, c'est go. Hop, on va mettre 180. On va retourner. Hop, donc on va le reposer dessus. Normalement, on peut le reposer. Il faut juste que j'arrive à sectionner le plat. Voilà. On a retourné, donc on va faire ça. Donc là, on est sûr de pas monter à 180 tout de suite. Donc là, on va remettre... Là, il cuit pas, de toute façon, dans tous les cas. Voilà. Faut bien mettre... Alors ça, c'est chiant qu'on peut pas remettre le compteur à zéro, par contre. Voilà. Donc là, c'est parti, ça a monté à 180. Et après, on balance le compteur. Allez, je peux le balancer. On est à 177. Pourquoi il m'a mis une minute? Ouais, 42 secondes. Je vois peut-être un petit peu de surcuisson. Alors, ici, pareil, on avait dit que j'ai jeté le couteau. Donc, on va couper. Hop. Hop. Et voilà. Donc ça, on pourra laisser. On en aura besoin. Alors, je sais pas combien j'en aurai besoin. Je vais le poser là en attendant. On verra bien. Je vais en prendre deux. Peut-être qu'on aura besoin que de deux. Donc là, on sera plus ou moins bon dans 16 secondes. Je pense que je vais pouvoir le prendre comme ça. Allez, c'est go. Donc là, c'est bon. On va poser le poisson ici. Alors, normalement, je peux le poser là, non? Si, si, non. Non, on peut pas le poser là. Il faut vraiment que je le prenne à la main. Hop. Donc là, on va le prendre à la main. On va le mettre ici. Voilà. Et donc, on va faire notre assiette. Alors, le poisson, validé. On va prendre la dernière assiette puisqu'on n'a pas testé. Ça prend pas. Ah, c'est bon. Ça me l'a mis. Donc, on va prendre notre poisson. On va le mettre dessus. On va mettre le citron. Alors, le citron... Ouais. Je vais remettre un là, un ici, voilà, et on va faire, alors on peut tourner l'assiette hein, bien sûr, on va faire décoration finish, on va peut-être mettre un petit peu, alors eux ils disent ça, ouais, c'est ça, on va mettre un comme ça, allez, et un comme ça, voilà, allez, finish, on va faire un test, est-ce que l'assiette sera validée ou pas? Alors, toujours pareil, problème de cuisson. Il y a vraiment, vraiment un problème. Alors, pareil, regardez là, on met power 0. Donc, je ne sais même pas pourquoi il dit power 0. Alors que je suis censé mettre à 100 degrés. À... Ouais, c'est ça. À 160 degrés. Et là, il me dit 180. Et là, il m'a dit 0. Donc, ouais, je ne sais pas trop pourquoi les recettes foirent un peu comme ça. Il faudra peut-être vraiment vérifier. Alors, c'est peut-être moi qui le fais mal. Hein, je ne dis pas le contraire. Alors. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a simple burger, on l'a déjà fait. Alors ça, on va faire un test. Alors, c'est gilbert végétal. Donc, on va regarder ici. C'est ça. Donc, on va faire ça. Hop. Ouf, il y a du boulot. Alors, on va devoir prendre tous ces ingrédients-là et les mettre dans le four. Ok. Et après, il va falloir prendre tout ça
Et pareil, les mettre à cuire. Bon, on va regarder déjà ça. On a besoin d'un poivron, un champignon. Ouais, ok. Et il me faut à peu près 3, 2. Il m'en faut 2. Ok, d'accord. Donc, on va les voir. Alors, je vais peut-être devoir regarder un peu plus souvent le truc, par contre. Donc, ça, il m'en faut 2. 2 comme ça. Un champignon. Et l'autre, c'était quoi? Je sais plus. J'ai pas envie de faire de bêtises, donc on va se mettre sur un autre poste. On va se mettre là en attendant. Juste pour voir. 2, 3. Et je sais plus c'était quoi le premier. Alors. Ah ouais, c'était ça, c'était un poron. Ok, d'accord. Il y a la courgette aussi. Ok, d'accord. Ok. Bon ben voilà, ici vous voyez comme on est vraiment sur des démos, je vous l'avais dit tout à l'heure, hier j'ai fait des tests, c'était un peu catastrophique, que ça soit au niveau des cuissons, au niveau des découpes, j'avais des par exemple des cornichons, quand j'ai découpé, disparaît dans le plan de travail, j'avais des problèmes de cuisson, et pareil là je trouve qu'il y a des problèmes de cuisson, et là j'ai carrément le jeu qui a frisé, donc ça veut dire que ça fait déjà deux fois que je recommence la vidéo complètement, et ça fait deux fois qu'à partir d'un certain moment, au bout d'une demi-heure de jeu, on a le jeu qui frise totalement. Donc, je pense que je vais pas passer ma journée à présenter le jeu et refaire 5-6 fois la vidéo. Je pense qu'on va attendre qu'il y ait une sortie du jeu un peu plus stable pour pouvoir vraiment le présenter. Parce que je pense qu'il y a encore énormément de travail par rapport à la démo. Et il y a beaucoup de choses qui ne vont pas et qu'il va falloir vraiment rectifier. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. Désolé de l'avoir fini comme ça, mais bon, j'ai pas l'habitude de le faire, mais là, voilà, je peux pas recommencer le jeu 5-6 fois, surtout qu'en ce moment, il y a pas mal de jeux qui sortent en démo, et donc j'ai pas beaucoup de temps pour pouvoir tous les présenter, et donc si je refais 4-5-6 fois le même jeu, ce serait pas raisonnable de donner autant de temps pour un jeu si limite déjà la démo, elle bug. Donc voilà, merci beaucoup, je vous dis ciao ciao, c'était Jérôme FPS. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là, donc n'hésitez pas à cliquer sur « Abonnez-vous » et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Donc, si vous aimez cette chaîne, vous aurez deux vidéos à votre disponibilité, soit la vidéo droite, soit la vidéo de gauche, mais si vous aimez vraiment la chaîne, il y en a énormément et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Donc, n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne. Je vous remercie, bonne journée.